je fais des machines électroniques, donc que je programme et que je joue en live, avec pas mal d'effets, tout ça. Et puis je joue aussi de la basse et de l'instrument, enfin, qui font des bruits, comme enfin, la flûte par exemple. Mais je joue pas vraiment de la flûte, mais je fais des bruits avec la flûte. Mais normalement, je suis accompagné, enfin, avec d'autres musiciens. J'ai joué avec deux guitaristes, j'ai joué avec un violoncelliste, j'ai joué avec flûtiste, percussionniste. Et là, je suis tout seul. J'utilise souvent des samples aussi de musique un peu gothique, enfin post-punk gothique. Moi, à la base, je suis plutôt issu de musique électronique. Voilà, j'avais 20 ans, la house music, la techno, tout ça. Donc. Je fais aussi ouais, beaucoup de samples dans la techno de Détroit. Voilà, la musique, elle est hypnotique, parfois un peu bruitiste. Mais c'est, voilà, on essaie de trouver un chemin un peu sauvage à certains moments. Mais en même temps, bon, il y a un côté sombre, mais avec une lumière intérieure, je dirais. Qui est souvent faite grâce soit aux instruments, soit avec certains samples. Je fais beaucoup de samples ethniques, les gongs du Laos, du Cambodge, tout ça. Déposer. C'est vraiment l'Asie un peu obscure, mais avec la lumière tout au fond. La base de tout, c'est la lumière. Enfin, c'est comme ça que voient les choses. Donc, si on creuse assez profond, on trouve la lumière. Ce que je veux, c'est emmener les gens dans l'intérieur, faire un voyage, quoi, intérieur.